Comme lors de chaque grande compétition de football, l'Euro 2020 nous a offert d'incroyables buts qui resteront gravés à jamais dans l'histoire du ballon rond. J'ai sélectionné 6 de ses plus beaux buts pour tenter de les reproduire en vidéo et constater à quel point cela est compliqué. Les 3 premiers buts que je vais essayer de reproduire ont été marqués au cours de la phase de groupe, les 3 derniers lors de la phase finale. Chaque but dispose de ses propres caractéristiques, il va falloir charbonner sévère pour tous les reproduire, cela risque d'être assez long pour certains. Le premier but que je vais tenter de reproduire aujourd'hui est celui de Robert Lewandowski face à la Suède, une magnifique frappe enroulée qui finit dans la lucarne gauche du gardien suédois. Premier but, c'est parti les amis, on rentre en mode Robert Lewandowski vs la Suède, une belle frappe enroulée, croisée, Eli à la passe, Evan dans le but, c'est parti, pronostiquez en commentaire le temps que j'ai passé à le faire, vous voyez le nombre d'essais mais pas le temps. Let's go, Eli t'es chaud? Je suis chaud, allez c'est parti. Ok. Il l'envoie bien dans le coin. Ah, bien vu, Ivan. Celle-ci, c'est la bonne. Un peu plus molle. La contrôle. Oui. Ah, elle est belle. Elle est belle, Ivan la touche. Je Mais franchement, c'est dit. Pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ok, après vérification, c'est vraiment pas mal pour un début. Je déplace un petit peu cette caméra, j'étais pas assez sur le côté pour que vous voyez bien la frappe. Mais déjà, c'est pas mal, on va essayer d'en mettre une plus belle où Evan touche pas le ballon, faut que je tape plus fort tout simplement. Et ça va partir. Eli, il est chaud, je suis chaud. Bien vu. Un peu plus courte. Ok. Ça se rapproche, mais j'étais plus près déjà. Ah, bien vu. Oh la vache! Elle flottait de ouf! Bien vu! Oh, elle était plus en force! Elle est belle! Elle est moins roulée mais plus en force! Ah là elle est très rapide, inchauffable! Celle-là elle est belle! Wouh! Lewandowski qui va frapper, oh, but classe. Oh la relance polonaise avec Robert Lewandowski. Un but un peu plus en force que celui inscrit par Robert Lewandowski, mais franchement, c'est déjà pas mal. On s'attaque à présent au second but de cette vidéo avec l'extérieur du pied de Luka Modric face à l'Écosse, un parfait mix entre force, précision et effet. Second but en mode Luka Modric, c'est parti, un joueur que j'adore, un geste que j'adore. Maintenant faut y aller hein. Allez Eli. Merde, comment je m'appelle? Matteo Kovacic. Comment je m'appelle? Eli Joulin. La première, elle est pas vilaine du tout. Elle manque un peu de force par rapport à celle de Modric, mais la zone recherchée est clairement bonne, sachant qu'Evan sait déjà où va le ballon. Avec Matteo Kovacic, il ne frappe pas. Modric! Extraordinaire! L'extérieur de Luka Modric, c'est sa vie, c'est sa carrière. Ouais les gars! Oh putain, je fais une petite lag. Quand les abonnés découvrent mon vrai niveau. Première notion, faut que j'envoie moins haute. Deuxième, il est un peu plus avancé que moi. Et après, bah, tout simplement, il saute. Ok. Trois notions, moins haut, un peu plus avancé et le petit point de la victoire à la Modric. On va le faire. Allez. Oui. Ah, bah oui. Oh, on l'avait. Ah, oh, c'était la mi-hauteur. Eli. Oh. Oh. C'est ça. Oh, carré. Oh. On était passé sur le côté, mais quel arrêt d'Evan. Incroyable. Ça part, Matteo Kovacic. Tranquillement, il va loin. Bien, reste bien. Ah, on est maudit là. Ah, on le savait que ça allait être dur des fois. Il va plus loin. Oh, Eli. Il s'est fait tuer par un écossais là. Ok les amis, on s'arrête là-dessus pour le but de Modric. Franchement pas mal, j'ai pas réussi à mettre le même. Mais en fait, limite, je l'ai mieux mise que lui la toute première. Après, j'ai pas réussi à taper assez fort pour qu'elle monte à mi-hauteur.
dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on passe au dernier but de cette phase de poule. Allez. On monte encore d'un cran en termes de difficulté avec le incroyable de Patrick Schick, une nouvelle fois inscrit face à l'Écosse depuis le milieu de terrain. Encore. Gros défi pour moi car je vais devoir marquer depuis le rond central avec mon pied gauche, cela s'annonce tendu. Les gars, c'est maintenant que ça commence, c'est maintenant que je commence à souffrir. Il fait assez chaud et je vais me taper des courses aller-retour. J'espère que Lévi va y arriver en pas trop d'essais, même si c'est dur. Parce que moi, ça va être dur pour moi, là, cardiaquement parlant. Frappe déclenchée derrière par Jack Henry, encore une fois, balle de contre. Et tentative de l'homme de dinguerie. C'est un but génial. C'est un but exceptionnel. Patrick Schick est on fire sur ce match-là. Inspiration. Génial, une dinguerie de la part de l'attaquant du Bayer Leverkusen. Les gars, c'est fou, j'ai réussi. On va essayer de perfectionner ça en mettant la balle plus haute comme Patrick Schick. Déjà, c'est incroyable. J'ai changé de micro parce que là, vous aviez pas le son sur cette caméra. Mais je suis trop content déjà, je suis trop content. Comment elle a tourné ? Ah, je suis trop pas à côté, dommage. Ah, je suis à côté. Tu vas en faire une pied droit, tu vas voir. Et voilà. Eh, pied droit, c'est beaucoup plus simple. Première tentative pied droit, on voit quand même que là c'est quasiment le même but, mais du pied droit du coup, genre l'enroulé opposé. Ouais, voilà, c'est parfait, en dessous la barre, c'est ce qu'il faut. On va continuer encore 10 minutes du gauche, après on arrêtera parce que je vais mourir et Evan va mourir aussi. Headshot. Je m'inquiète pas trop pour la caméra. Non, la caméra, tant qu'elle tombe pas sur objectif, c'est bon. Allez, t'en mets de côté. Evan, ça va parce que la caméra ça va pas trop elle. Ouais, j'ai l'impression. Non, la caméra ça va, ouais. C'est très bien. Mais non, fatigué moi un peu, hein. Comme le trépied. J'en fais encore 5 minutes et on arrêtera. Ouais. Parce que là, on en a déjà fait assez de dégâts. Un peu plus excentré. Oh non, trop gravité. Allez, Patrick Schick. C'est très tendu. C'est magnifique. Bravo Evan, bravo Eli. Je pense que c'est pas trop mal ce qu'on attend en vrai. C'est même vraiment très bien pour des joueurs de départemental 5 comme nous. Place maintenant au but de la phase à élimination directe. Juste avant cela, je vous propose de gagner le maillot de l'Euro de votre choix grâce au site internet Top 4 Football qui accompagne ma chaîne YouTube depuis quelques semaines. Pour remporter le maillot, rien de plus simple, rendez-vous sur mon Instagram Lévi YouTube et plus précisément sur cette publication via laquelle tout sera expliqué. Allez, cette fois-ci on démarre vraiment la seconde partie de cette vidéo avec le boulet de canon inscrit par Thorgan Hazard face au Portugal en 8e de finale. Jour 2 de tournage, je suis beaucoup plus en forme que le premier jour, je sais pas si ça se verra, mais on va essayer. Tout simplement, Eli encore à la passe, Gurvan dans le but, puis on commence par le but de Thorgan Hazard, passe finale. Il va y aller fort parce que là, faut envoyer une bonne pétouse. C'est parti, Eli, let's go. Allez, t'es prêt? Ouais, quand tu veux. Premier essai. Allez. Oh, mais frérot. Eh, j'ai arraché un brin d'herbe. Oui, l'herbe, ouais. Oui, l'herbe, elle est vachement haute, mais. Let's go, oui, elle a gratté le sol. Oh, c'est mieux que Thorgan Hazard. C'est fou mec. C'est 100 fois mieux. C'est le même effet dans la lucarne. Mais c'est incroyable. Thorgan Hazard. Thorgan Hazard est là. Foudre a jailli de son pied pour l'ouverture du score. C'est bon ça. Pas mal. Mais quand je l'ai vu arriver dans les filets, j'étais en mode ah, ok. Oh là là, la vache. On va te laisser faire un peu, on va essayer un peu, vas-y mec, on l'a fait en très peu de temps. C'est incroyable, je peux absolument pas faire mieux, genre c'est impossible. Essaye. Eli n'a pas réussi à faire mieux en seulement 10 minutes, il a tout de même marqué 3 jolis buts que j'ai décidé de garder au montage. Un très joli auto-croche-pad d'Eli pour finir. On enchaîne avec le 5e but qui a été inscrit par Paul Pogba face à la Suisse, une splendide enroulée qui termine sa course dans la lucarne gauche de Yann Sommer. Wow, Eli qui est arrivé. L'enjambé. Deuxième but de la journée, 5e but de la vidéo, Paul Pogba face à la Suisse, super moment pour les Français. Magnifique. Enfin là ça allait. À ce moment-là ça allait. C'était nickel. 10 minutes, beaucoup. 10 minutes après c'était pas pareil. Ça allait, il y avait un petit peu plus de mal. Non.
maintenant, wesh. Oui, parce que je voulais juste expliquer que je fais une passe, mais que, enfin, j'ose pas... C'est chiant, hein. Et vous, ça fait que 10 secondes que vous l'écoutez. Moi, j'ai écouté ça pendant des dizaines de minutes. Allez, on y va. Et je suis le défenseur suisse, du coup, qui renvoie la balle dans les pieds de Pogba. Je peux me permettre? Ouais. Premier essai. Un peu haute. Faut que je me cale. Il prend son temps. Genre vraiment, évite d'aller trop vite parce que genre il a tellement de place, il fait vraiment poum, il décale et là il regarde et il l'enroule. Allez. Elle est rentrée je crois. Enroulé, du coup, faut que je fasse plus enroulé. Oui, du coup, mais quand même, genre, la frappe, elle est magnifique. C'est pas mal. C'est franchement pas mal encore. Franchement, c'est pas... Là, on sait qu'elle est dedans. Et là, bon, là, tu l'as enroulé, tu vois. Ah, là, c'est, là, c'est le même style. Benzema contré. Contre, back et contrôle. Qui se l'emmène. Vraiment pas mal encore. Hop là. Oh, bien Maëly! Super! Grâce à Maëly, la mort d'un deuxième trépied ou caméra dans cette vidéo a été évitée, mais pour ne pas faire plus de dégâts, j'ai décidé de m'arrêter là pour ce cinquième but. À présent, c'est le moment de s'attaquer au dernier but de la vidéo avec le coup franc de Damsgaard contre l'Angleterre. Un magnifique hommage à son compatriote Christian Eriksen, habituel spécialiste de l'exercice, malheureusement touché par un arrêt cardiaque en début de tournoi. Plus que jamais, on fait équipe pour ce dernier but, but de Damsgaard face aux Anglais, incroyable coup franc. Et cette fois, on tire chacun notre tour. Et voilà, là, Eli va vraiment m'aider parce que le pauvre, il a été beaucoup assistant et il fallait absolument qu'il m'aide. Après, bon, j'ai vu des belles frappes, moi j'étais spectateur, ça m'a fait plaisir quand même. Et maintenant, c'est toi qui vas mettre le vrai but. Allez, on va essayer. On est parti. On s'est entraîné un petit peu. La frappe est très dure à réaliser, mais c'est faisable. Damsgaard, let's go. Damsgaard. Oh, ça c'est pas le tir, mais c'est vraiment belle, elle était belle. Oh là là, c'est clairement ça. Tiens. Oh là 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 là. Oh my god. Ah, au bout d'un moment, quand même, à force de faire des barres entrantes, faut bien que ça tourne aussi. Oh, il enlève. Ah, c'était celle-là. C'était là, c'était celle-là, en dessous de la barre et tout. Bon, après, je pense qu'elle tombe plus et elle plonge moins. Mais l'idée est bonne, c'est ça qu'on veut. Ah, voilà. Pas mal. Oh non. Oh, oh. Ça a failli le fil entre les mains. C'était bien, Eli. Ouais. Oh, elle est franchement belle. Oh, elle est pas mal, Eli. Perfect. Ok, vraiment pas mal pour Damsgaard. Mais on va essayer de faire mieux parce que moi, vraiment, je mets une enroulée. La zone est bonne, mais elle tourne trop et elle plonge pas assez. Donc, je vais essayer de faire différemment, mais ça va être chaud quand même. Oh ouais. Et ça fait deux fois que vous faites ça, les gars. C'est ça. Oh, c'est la même. Là, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. Oh, c'est le pied, parce qu'il est pas mal, mon frère. Oh, c'est le même effet, c'est le même endroit. Je pense que c'est pas mal. Concentration maximale pour Jordan Pickford avec Mikel Damsgaard. Ouais, c'est un coup de sifflet et un coup de pied génial de l'attaquant du Sampdoria de Yes. C'était le dernier tir de cette vidéo, place maintenant au résultat. Sur les 6 buts, je pense avoir très bien reproduit ceux de Lewandowski et de Damsgaard. Pour les buts de Modric, Hazard et Pogba, je pense avoir fait encore mieux avec des buts tout simplement incroyables. Oh, c'est mieux que Thorgan Hazard. Le seul but pour lequel j'estime ne pas avoir été à la hauteur est celui de Patrick Schick. Je ne suis pas parvenu à recréer le même style de frappe que le joueur tchèque. Malgré cela, je suis quand même très content d'avoir marqué un but d'aussi loin avec mon pied gauche. Pour conclure, n'oubliez pas de pronostiquer mon nombre d'essais en commentaire et de participer au jeu concours. Un grand merci à Eli, Evan, Gervan, Elisa et Maëly pour leur participation et à très vite pour une nouvelle vidéo. Attends,
Tu peux pas t'y attendre à ça. Elle est pas dans l'euro celle-là. Je l'incorpore. Dans mon euro à moi avec les gens nuls, Elle marche. Elle marche.